on voit ici derrière toute une série de petits haut-parleurs qui sont commandés en fait par un ordinateur. Et les voix qui étaient portées par là, c'était des voix de synthèse qui venaient de chez nous. Donc à l'époque, pour nous, c'était un petit peu un clin d'œil. On avait travaillé là-dessus quelques mois. Et on ne pensait pas que ça allait devenir finalement, quelques années plus tard, le cœur de notre activité scientifique. Donc on a développé un système qui permet à un utilisateur de pointer des éléments sur un écran et de manipuler le contenu de l'écran. Alors on a été contacté, toujours pour l'image, on a été contacté par un collectif d'artistes bruxellois qui s'appelle Métamorphose et qui voulait créer une installation sur l'idée de la multitude d'images de la Joconde qui circulent sur Internet. Et l'idée c'était de réaliser un morphing. Alors ça, par exemple, c'est vraiment le genre de truc où on a pu intervenir, où il était nécessaire qu'on intervienne. Dans le domaine de l'image toujours, on a travaillé récemment sur un truc qu'on voit de plus en plus, qui est la projection monumentale. Donc là, pour ça, c'était géométrique. Et là, on va faire une démo. Et donc j'ai des chercheurs qui travaillent là-dessus, juste maintenant, pour faire une projection sur un dôme. Donc on complique, voilà. Ça, il y a un algorithme de synthèse vocale. En temps réel. Et là, ça synthétise. Ça synthétise uniquement des voyelles. Dans ce synthétiseur vocal, on donne une phrase. La phrase, elle est préparée par le synthétiseur. Et elle est jouée en temps réel, avec la possibilité de manipuler en temps réel. Ici la durée, ici l'intonation, mais on est aussi en train de travailler sur la durée, le volume, etc. Qui vous me trouvez avec l'idée de... L'idée de faire la même chose pour des vidéos de danseurs. C'est votre documentaire qui a enregistré une grande quantité de vidéos de 2 minutes. Chaque danseur a 2 minutes pour danser sur des musiques qu'il a choisies. Focusing on the analysis in class. Il y a le danseur qui est là. Ça dure 2 minutes. Nous, on réalise une analyse du mouvement du danseur. Il y a 2 caméras, une frontale et une zénitale. Et alors, sur base de notre analyse du contenu, on organise les vidéos de danseurs. On organise toutes ces vidéos dans un espace à 2 dimensions qui permet là aussi de naviguer de branche en branche. Nous, on est intervenu là, encore une fois, avec ce costume de l'éclateur de mouvement. Chacun des musiciens, chacun son tour, a joué son jeu. Ça a été transformé en des personnages de synthèse, et puis on a fait tourner des ordinateurs pendant des nuits et des nuits pour obtenir le rendu qu'on voulait. Avec une composition pour créer l'image qui donne vraiment l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe dans les yeux. Alors, je fais bien sûr tout ça. Et l'idée, c'était un projet qui nous avait été présenté par Pierre Delens de la société Chauvin et qui était en train de développer une rampe d'un projecteur de flammes et qui désirait que l'on puisse faire des motifs sur cette rampe à partir du mouvement d'une danseuse. Et on a commencé à travailler avec un danseur qui, grâce à ses capteurs, pouvait commander les flammes, il pouvait en fait pointer vers les flammes. Donc ici, le danseur a 2 capteurs et en fait, il gère, on a fait un mapping, donc une correspondance entre ses gestes et un générateur de motifs de flammes. Et il contrôle donc les flammes à partir de ses capteurs. Comme souvent dans les projets, en fait, on a à la fois quelque chose qui est dirigé vers un projet artistique lorsqu'on travaille avec un artiste, mais on essaie également d'avoir quelque chose de plus général qui puisse être poussé plus loin éventuellement dans le cadre de notre projet ou qui puisse servir à d'autres artistes. Cette image que le spectateur va voir a été filmée faisant des mouvements entre des mouvements de sommeil et des mouvements chorégraphiques. Et pendant la période de tournage, on lui a demandé de s'arrêter à une série de positions précises.
et on obtient ainsi une espèce de grille où chacune des intersections est un endroit où, suite à l'interaction du public, la vidéo peut bifurquer. Le processus de recherche, est-ce qu'on a accès à des phases qui sont des phases de publication intermédiaire ou pas? Oui. Tout ce qu'on fait, on le publie. D'accord. On a des publications tous les 3 mois, on a un bouquin qu'on sort, enfin tous les ans on a un bouquin, mais tous les 3 mois on a des publications, on décrit ce qu'on a fait.